Bienvenue sur le bar des joueurs, Diane Ouellet, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Aujourd'hui, on vous parle de la période estivale. On le sait, la saison est terminée, mais qu'est-ce qu'un joueur élite de la LHEQ peut-il faire pendant la période d'été? Est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce qu'on s'entraîne durement? De quelle façon? À qui? Comment? Quoi? Alors, j'ai invité le coordonnateur du développement de Hockey Québec, Jonathan Marcotte-Levasseur, qui va nous parler. Qui va nous mettre la table de comment on peut aborder cet été-là. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Diane. Comment on aborde ça, un été, après une saison de hockey? OK. Il y a vraiment beaucoup de possibilités maintenant là, pour le joueur pour se préparer pour sa prochaine saison. Là. Si on fait le tour rapidement, pour résumer, bon, évidemment, il y aurait l'option repos complet, mais on s'entend que ce n'est pas la meilleure manière de se préparer pour la prochaine saison. On peut parler d'un repos à travers l'été, mais là, ce que je veux dire, c'est d'un repos complet tout l'été. On a de l'entraînement en salle de musculation ou en gym, on pourrait dire. On a des écoles de hockey, donc on peut s'entraîner sur la glace. On peut aussi s'entraîner à la maison, que ce soit avec un programme écrit fait par un entraîneur qu'on trouve sur Internet dans des livres, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Si on commence avec le repos, que ce soit des joueurs professionnels de la Ligue nationale ou des jeunes qui ont terminé à la Coupe Dodge au mois d'avril, suivi de leur pré-camp, habituellement, on va parler d'un repos de plus ou moins 2 semaines. Et je dirais, grosso modo, 10 à 20 jours. Par contre, c'est un repos qu'on va dire actif. Ce n'est pas un repos complet où je reste assis à la maison. Donc, un repos actif, c'est quoi? C'est simplement de pratiquer différentes activités sportives, librement, là, sans nécessairement que ce cours soit encadré, mais peut-être à une plus faible intensité pour laisser une chance au corps de récupérer. Ça peut être jouer au basketball, faire du hiking, faire de la natation, juste faire du vélo, par exemple, mais de décrocher de notre sport, décrocher du hockey pendant ces 2 semaines-là. Puis aussi d'avoir un repos mental, donc de voir nos amis dans un contexte différent, d'avoir une pause des entraîneurs qui me disent quoi faire, etc. Il ne faut pas oublier que le repos en entraînement, là, c'est un principe qui est important, ça fait partie de l'entraînement, le repos. Donc, quand je m'entraîne ou quand je compétitionne, dans le fond, je crée des dommages à mon corps physique, je crée aussi une fatigue mentale. Et à l'entraînement, par exemple, ben, c'est quand j'arrête mon entraînement, que je tombe en phase de repos, de récupération, que mon corps va refaire les stocks, si on veut, va régénérer les batteries. Mais elle va aussi prévoir un prochain entraînement en amenant une adaptation, en t'amenant un petit peu plus fort, un petit peu plus endurant que tu l'étais avant, comme s'il prévoyait que tu allais répéter cet entraînement-là. Donc, le repos fait partie de l'entraînement. Si je n'ai pas assez de repos, ce que je fais, bon, dit comme ça, c'est que je magane, je magane, je magane. Puis à un moment donné, ben, j'atteins un plancher où là, je tombe soit dans des blessures chroniques, soit dans un burn-out sportif, etc. Ça, on veut éviter ça. Donc, un repos, généralement 2 semaines, un repos actif. Donc, on continue de bouger. Par contre, on évite les intensités maximales. Si le joueur, c'est quelqu'un qui aime l'entraînement, il aime ça être dans le gym, il n'y a pas de problème à y aller dans le gym. C'est juste que souvent, le préparateur physique, comme je disais, ce n'est pas là qu'on va essayer de battre des records ou aller dans des intensités maximales, mais on va plus en profiter, par exemple, pour travailler la posture, rééquilibrer, là, par exemple, les muscles qui travaillent beaucoup quand on patine, quand on prend des tirs au filet, versus les autres muscles qui travaillent moins, travailler plus en mobilité, en souplesse, en qualité motrice, etc. Donc, le kinésiologue, préparateur physique, va être capable d'adapter cette période-là pour que le joueur puisse récupérer aussi durant ces 2 semaines-là. Tu me parles de kinésiologue. Est-ce qu'à ce moment-là, tu me dis que ce serait préférable que le joueur aille assez rapidement vers un professionnel? Comment ça se passe là? OK. Bon, est-ce qu'on est obligé de faire affaire avec un professionnel? Bien, tout dépend des objectifs qu'on se vise, là. Mais là, je vais vous parler des joueurs, disons, des aspirants élites ou des joueurs de premier niveau qui aspirent à jouer dans les plus hauts niveaux. Ce qui est optimal, oui, c'est de se faire encadrer par un professionnel. Okay? Quelqu'un qui a les formations dans ce domaine-là, qui a les connaissances, qui a l'expérience, l'expertise, pas seulement dans le sport, mais aussi dans l'encadrement de jeunes athlètes. On pourra en parler plus tard, mais entraîner des athlètes de 12, 13, 14 ans versus des professionnels, c'est deux choses qui sont distinctes.
Donc, généralement, les joueurs, avant la fin de la saison, si c'est la première fois qu'ils cherchent un préparateur physique, bon, des fois, ils en ont en saison, puis ils vont continuer avec durant l'été si on est assez proche du gym, par exemple, puis si l'entraîneur le propose, ça peut être une manière de fonctionner. Sinon, je peux chercher à l'extérieur aussi un préparateur physique, un kinésiologue, un éducateur physique qui a de l'expérience avec des jeunes, qui a de l'expérience dans le hockey sur glace. Il y en a de plus en plus au Québec. Les joueurs de la LHEQ, les équipes, sont encadrées par des préparateurs physiques qui répondent aux critères que j'ai mentionnés précédemment. Font partie du, on en a déjà parlé, ce programme de reconnaissance des préparateurs physiques de Hockey Québec. Donc, ils ont des formations continues, ils répondent à des critères de base. Donc, on peut avoir confiance en ces gens-là, ils sont compétents dans ce qu'ils font. Il peut avoir différentes contraintes. Ça peut être la distance. Hein. Par exemple, si le gym de ce préparateur physique-là est à plus de 45 minutes de chez moi puis que je dois y aller 4-5 fois par semaine, ben, on va peut-être regarder pour quelqu'un de plus proche de chez moi. Ça devient dans le cas où je ne pourrais pas avoir les services de celui qui est dans mon organisation. Est-ce qu'il y a des questions que je devrais poser pour être certain que je m'adresse à un professionnel qualifié? Oui, ben, c'est une super bonne question. Moi, personnellement, la première chose que je regarderais, c'est au niveau de la formation d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il y a comme formation? Ça peut être des formations académiques, universitaires, mais on sait aussi qu'on peut avoir des formations complémentaires sans prendre le chemin université, si on veut. Je regarderais aussi au niveau de l'expérience de l'entraîneur. Donc, c'est les autres étés, est-ce qu'il entraînait des joueurs de hockey? S'il en entraînait, c'était quel âge avaient les joueurs, puis dans quel format? Est-ce que c'était des gros groupes de 10-12, du semi-privé, 3-4 joueurs par entraîneur, etc.? Quelque chose d'important que je regarderais aussi, c'est l'entraîneur qui met son nom là, sur le programme. OK, mettons, moi, Jonathan Marcotte, tu viens chez moi, mon programme d'entraînement. Est-ce que c'est lui qui va s'occuper du joueur ou c'est un autre entraîneur? Je dis ça parce que des fois, il y a des endroits où, une fois que le joueur commence à s'entraîner, il se rend compte que ce n'est pas celui qu'il pensait avoir qui l'encadre. Puis des fois, c'est correct aussi, mais il faut juste le savoir avant. Est-ce que ça va être un stagiaire, un assistant entraîneur? Donc, juste de s'informer pour le savoir. Je ne dis pas que c'est mauvais, ça peut être bon, mais de s'informer, savoir dans quel format ça va être, s'informer des coûts aussi. On ne se le cachera pas, là, c'est dépendant si c'est en groupe, en privé ou en semi-privé. Là, on peut parler dans les plus hauts, là, je dirais au-dessus de 2 000 $ dans l'été pour un encadrement complet là, à 4-5 fois par semaine. Là. C'est très variable d'une place à l'autre, mais s'informer sur ces choses-là aussi. Puis, dernière chose, parler à des joueurs qui ont eu le service avec ces entraîneurs-là aussi. Parce que l'entraînement, c'est une science, mais c'est aussi un art. Puis, bon, la personnalité, tout ça, de l'entraîneur. Juste de parler à des joueurs qui étaient avec lui l'été passé, déjà, ça peut nous donner plusieurs indices. La saison est terminée. On dit qu'un bon 20 jours de repos actif, c'est nécessaire. Maximum. Autant mental que physique, pour les deux volets chez le joueur. Un coup que mes 2 semaines, 20 jours, c'est fait, qu'est-ce que je fais? Là, à ce moment-là, j'en profite pour trouver mon entraîneur à ce moment-là. Est-ce que je dois le chercher tôt dans la saison, cet entraîneur-là, pour l'été? Comment ça fonctionne, ça? Comment ça se passe? Bon, habituellement, je dirais que les joueurs, là, déjà février, mars, s'ils n'ont pas déjà un préparateur physique qui avait l'été d'avant puis qui continue avec lui pour l'été à venir, qui en cherche un nouveau. Bon, février, mars, là, c'est à peu près la période où on commence à regarder ça parce que souvent, les préparateurs physiques ont un nombre maximal de joueurs qui acceptent pour ne pas avoir des groupes trop gros. Donc, si je veux, par exemple, c'est comme je disais au début, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients selon le chemin qu'on va vouloir emprunter. Donc, si je parle d'un encadrement optimal, là, on parle beaucoup de kinésiologues, mais je pourrais ajouter aussi des entraîneurs d'habileté sur glace ou des écoles de hockey, ces choses-là. À ce moment-là, je dirais, c'est sûr que c'est plus avantageux qu'un kinésiologue, un éducateur physique s'occupe de l'encadrement hors glace, puis je dirais même d'avoir une portion sur glace, dosée, on s'entend, puis bien positionnée dans l'été, pour ne pas arriver à notre camp fin août, puis que ce soit la première fois qu'on mette les pieds sur la glace, puis qu'on espère tout casser à ce niveau-là. Puis la réalité, c'est que les joueurs de premier niveau ont à peu près tous un préparateur physique, un entraîneur d'habileté sur glace ou une école de hockey quelconque. Là.
je serais prêt à parier là, qu'on parle d'au moins 9 joueurs sur 10 dans la Ligue. Est-ce que c'est obligatoire? Je ne peux pas dire que c'est obligatoire. Est-ce que les joueurs le font? Oui. Puis est-ce que c'est plus avantageux, exemple, que s'entraîner à la maison ou que uniquement pratiquer un autre sport puis de tasser l'entraînement puis le hockey pour un joueur de premier niveau élite? Il met moins de chances de son côté, c'est sûr, par rapport à l'autre. C'est intéressant ce que tu dis là, Jonathan, parce que dans le fond, on peut aborder le multisport, cette espèce de philosophie. Hein? J'ai l'impression qu'il y a deux philosophies. Soit tu te concentres sur ce sport-là parce que tu es dans l'élite, donc tu te concentres à vraiment aller parfaire tes habiletés puis augmenter tes chances d'être encore meilleur joueur, athlète. Mais on dit aussi que pourquoi tu ne profites pas de la période estivale pour justement complètement sortir de ce monde-là mentalement et que tu ne fais pas d'autres sports, le multisport. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la place qu'on doit donner à ça? C'est un sujet là, qui a été beaucoup, beaucoup discuté parce que d'un côté, on entend souvent parler de joueurs de hockey que quand ils étaient jeunes, c'était aussi des joueurs élites dans le soccer ou dans le baseball, puis qu'à un certain moment dans leur parcours, ils ont eu un choix à faire. Mais on entend aussi parler ou on voit des joueurs qui sont aux portes de la Ligue nationale, que eux, depuis qu'ils sont novices, c'est du hockey 10-11 mois par année. C'est de l'entraînement déjà à partir de l'âge de 7-8 ans. Puis sur Instagram, on voit des jeunes de 9 ans sur des planches d'équilibre qui dribblent une balle, tout ça. Puis on a l'impression, on ne sait plus où aller là-dedans. Si on regarde ce que la science dit, je peux dire ça comme ça, les kinésiologues, les éducateurs physiques vont tous vous dire que plus jeune âge, c'est vraiment plus avantageux d'aller vers le multisport, de ne pas se spécialiser hâtivement. Qu'est-ce que tu veux dire plus jeune âge? C'est quoi tes groupes d'âge? Je vous dirais généralement prépubère. Donc, au hockey, ce serait jusqu'à Pee-wee. Je dirais qu'à partir du bantam, là, on commence vraiment plus à se spécialiser sur un ou deux sports à la limite. Là. Mais je dirais que jusqu'à Pee-wee, jusqu'au M13, pardon, on va viser la pratique régulière là, de au moins deux ou trois sports. Puis, qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on dit ça? C'est que les qualités motrices, les mouvements sportifs généraux, là, courir, grimper, dribbler, courir de reculons, l'agilité, l'équilibre, la coordination, tout ça, je vais la développer en pratiquant différents sports. Et ça va constituer la base de ma pyramide. Puis l'image qu'on fait souvent, c'est que sur une pyramide, bien, plus la base est grande, plus mon sommet est élevé. Donc avant de faire un joueur de hockey, c'est cliché, mais c'est tellement vrai, on veut faire de la personne, un athlète. Et puis, plus ce coffre à outils-là est bien garni, plus quand j'arrive vers le M15, vers le M18, plus j'ai de possibilités, plus j'ai de je cherche le mot, là, le joueur va probablement atteindre des sommets plus élevés étant donné que sa base est plus grande. Parce qu'il y a plus d'outils, il a été capable de réveiller plusieurs éléments dans son corps, au fond. Comme tu parles d'habileté, agilité, c'est toutes des choses qui aident au hockey. Là. Oui, absolument. Donc ça, il peut aller chercher ça dans d'autres sports quand il est plus jeune. Je comprends. Exact. Puis j'irais même un petit peu plus loin, puis je vous dirais même qu'au niveau pour des sports d'équipe, même au niveau des tactiques, dans d'autres sports, on peut retrouver des éléments qu'on peut ramener au hockey. Tu prends le basketball ou même le Ultimate Frisbee, par exemple. Des passe-va, du marquage-démarquage, du jeu en surnombre, de développer notre visuel, tout ça en équipe, c'est des choses qui se transfèrent très bien au hockey. Puis pour les plus jeunes aussi, là, si par exemple, je prends un jeune qui joue au basketball, un 2-contre-2, juste dans un parc à la ville, puis qu'on zoome sur ses pieds, là, puis qu'on regarde juste ses pieds pendant qu'il joue. Constamment être en changement de direction, sprint, freinage, de reculons, de côté, etc. Donc, je peux l'amener dans un contexte de jeu où le jeune, par le plaisir, le niveau d'intensité va être là, la motivation va être là, ce qui va être probablement plus facile que dans un gymnase, par exemple, où là, c'est le coup de sifflet, puis bon. Donc, pour toutes ces raisons-là, jusqu'à Pee-wee, je dirais que c'est très, très profitable d'investir du temps pour aller vers un autre sport ou deux autres sports. Par exemple, un sport d'équipe, un sport individuel comme les arts martiaux ou la natation, par exemple.
Cet investissement-là fait en sorte que quand j'arrive dans mon M15, M18, mes possibilités sont beaucoup plus Sont plus grandes. grandes, Je peux c'est ça. aller beaucoup plus loin à l'entraînement. Je vais retirer plus de bénéfices de mes entraînements parce que je n'ai pas de retard à combler. Les choses ont été Comprends, faites ouais. les bonnes choses ont été faites au bon moment. Donc, quand le jeune arrive, exemple, dans le M18-3A, il y a un athlète complet entre les mains qui est en santé, qui a un bon équilibre, autant physique que mental. Ça, c'est le parcours. Parce que plus jeune, il s'est permis de faire plusieurs choses. Oui. Un, deux, trois sports. C'est pas non plus parce que si, mettons, je suis M13, bon, je vise l'élite dans le M13, M13-3A, de premier niveau, par exemple. Je peux très bien pratiquer d'autres sports, puis aussi investir du temps sur la patinoire dans mon été pour parfaire mes habiletés techniques ou pour optimiser le transfert de ce que j'ai fait hors glace à la glace avant de commencer mon camp. Puis là, évidemment, je ne parle pas de 3-4 fois par semaine sur la glace pendant 3 mois, mais par exemple, je peux dire mai, juin, mi-juillet, je ne touche pas à la glace, puis 4 semaines avant le début de mon camp, exemple, une fois par semaine, 2 fois par semaine, puis 3 fois la 3e semaine, là, je vais être allé sur la glace. Ça va 6 fois. progressivement. Ça peut être une façon de travailler, ou si j'ai l'option aussi, je peux travailler vraiment sur mes habiletés techniques. Comme un joueur de tennis, par exemple, en hors-saison, il ne va pas arrêter de jouer au tennis durant toute son hors-saison. Il va en profiter pour travailler son service, travailler des éléments particuliers de son jeu parce que le temps le permet, mais c'est de bien doser, finalement. Je vais vous dire ce qu'on voit en moyenne, mais c'est sûr que ça dépend de si on est en période scolaire ou juillet-août. Ça dépend est-ce que le jeune travaille. Des fois, même dans les 17-3, les jeunes vont travailler. Ça dépend aussi si je pratique d'autres sports, parce que je peux pratiquer, exemple, le soccer niveau élite où c'est très encadré et un gros volume. Mais je peux aussi, comme je disais, aller jouer à un 2 contre 2 au basketball une fois par semaine ou jouer au hockey, par exemple. En général, dans le M13, on parle de 2 fois en gym durant la période scolaire, donc jusqu'à fin juin, puis 3 fois pour le reste de l'été. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Au M15, ben, c'est 3 fois, 4 fois après l'école. Au M17, en montant, là, on parle plus de 5 fois par semaine. Les plus jeunes, en général, c'est 1 heure. Les plus vieux, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Mais entendons-nous, ce n'est pas nécessairement 2 heures d'entraînement. Là, on parle de l'échauffement, les étirements, tout ça inclus. Là. Sur la glace, là, on parle, comme je disais tantôt, peut-être de 6 semaines où on ne touche pas à la glace du tout. Puis plus on s'approche du camp, si on a l'occasion de le faire, ben on va avoir quelques séances sur la glace pour transférer mes acquis en hors-glace, pour aussi développer des habiletés techniques ou des tactiques, mais aussi avoir n'importe quel joueur sait que quand j'arrête pendant une longue période, il y a une petite période là où je cherche le terme français, là, le feeling sur la glace, là, je veux l'avoir avant d'arriver à mon vrai camp, autrement dit. Donc, vers la fin de l'été, on va essayer d'incorporer un peu de glace là-dedans. Ou ça peut, comme je disais, aussi être une glace par semaine durant tout l'été. Et puis, on va avoir un très bel équilibre ici. Mais plus de glace que ça, là, ce qui arrive, c'est que à un moment donné, tu dois faire des choix. Si je suis souvent sur la glace, bien, je suis moins souvent dans le gym. Je ne peux pas faire les deux. Okay. Comme je disais au début, à un moment donné, là, la fatigue va être trop grande versus le volume d'entraînement. Et là, au lieu de progresser, bien, on stagne ou on régresse. Là, je parle juste physiquement, je ne parle même pas de la charge mentale. Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis là, parce que c'est arrivé souvent que des joueurs vont arriver à leur saison de hockey qui sont un peu fatigués. Et cette fatigue-là, là, qu'est-ce que tu ne peux pas la récupérer pendant l'année? Tu sais, c'est important là, ça que tu nous en parles. Là. Oui, absolument. Ben, c'est pas normal si physiquement tu arrives fatigué au début du camp, puis même mentalement si tu arrives fatigué au bout du camp, ce n'est pas du tout l'objectif de ta période estivale. Souvent, c'est un signe qu'il y a un problème au niveau de l'organisation ou de la planification des activités durant l'été. Je reviens au gym, là, mais c'est la même chose sur la glace. Ce qui fait la différence entre un entraînement correct et un bon programme d'entraînement estival, souvent, c'est la planification. Okay, là, je parle plus peut-être un petit peu plus haut niveau, là, M15, M17, là, M13, on a un peu moins de planification. Mais la planification, c'est quoi? C'est de regarder en ensemble dans mon été où est-ce que je vais être rendu à la fin avant mon début de saison.
Puis à partir de là, comment je vais construire mon été pour arriver à un état de forme physique optimale au début de mon camp, physique et mental. Donc, tantôt, on a parlé un 2 semaines de repos, qu'on va appeler de transition, après ça, une préparation physique générale, préparation physique spécifique. On va jouer avec les volumes et les intensités d'entraînement pour qu'on ait eu juste assez de repos à la fin de l'été, mais sans perdre nos acquis pour arriver dans notre meilleure forme physique possible au début de l'été. Puis si on n'a pas ça, ben là, qu'est-ce qui a été fait durant l'été? Il y a un danger, là. Il y a un danger de déséquilibre. Soit une surcharge, ouais. Ou il n'y en a pas eu assez, là, c'est ce qui est plus rare, là, mais il y a un problème à ce niveau-là. Là, à regarder. C'est pour ça qu'il faut se faire encadrer par des gens qui ont l'expertise, qui ont les. On part en vacances. Chez nous, on part 2 semaines dans un chalet. On s'en va prendre soin de nous autres. Ça. Qu'est-ce que je fais? Mon entraînement, comment j'aborde ça? La meilleure personne pour répondre à ça, ça va être le préparateur physique qui s'occupe du joueur durant la période estivale parce que dépendant où est-ce qu'il est rendu dans son été, il va pouvoir lui proposer des exercices au poids du corps là, la plupart du temps qu'il va pouvoir faire pour 2, peut-être 3 fois durant la semaine. D'arrêter complètement, je ne pense pas que c'est la chose la plus optimale. On essaie minimalement de maintenir ce qu'on a gagné dans les semaines précédentes. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être dans un gym pour 2 semaines. On peut très, très bien se débrouiller avec des exercices au poids corporel. Je pense, par exemple, là, quand on parle du cardio, ou notre vitesse, ou répéter des sprints, c'est assez facile pour un joueur dans un parc ou même sur la plage, sur le sable, d'appliquer un protocole d'entraînement que son entraîneur lui donnerait. Je lance un exemple comme ça, tu vas 10 fois de suite faire un aller-retour sur 2 lignes à 20 mètres avec un repos de 20 secondes entre chaque. Et puis, tu vas répéter ce bloc-là 3 fois dans la semaine pour s'assurer qu'on maintienne au moins tes qualités là, au niveau de tout ce qui est cardio. Pour la musculation, ça peut être des exercices au poids du corps, des exercices de saut, de bondissement, par exemple. Donc, l'idée, c'est de ne pas en perdre. À quel moment je dois me préoccuper de ma masse musculaire? Souvent, quand on parle à des parents ou des joueurs qui commencent l'entraînement, quand on ne vient pas de ce milieu-là, l'image qu'on a, c'est souvent la musculation dans une salle de conditionnement physique avec des appareils. Puis là, on s'imagine des personnes bon, qui font des biceps, tu sais, qui font des pectoraux sur une machine. Absolument. Etc. Mais l'entraînement du jeune athlète, la musculation, c'est une chose. Là, en fait, je devrais dire les qualités musculaires, donc la force, l'endurance, la puissance, l'hypertrophie, faire grossir les muscles, etc. Ça, c'est une chose. Il y a tous les éléments cardio, donc les sprints, l'endurance, donc récupérer entre des sprints, etc. Il y a tout ce qui est qualité motrice, qu'on a parlé tantôt, l'agilité, la coordination, l'équilibre. Je pourrais ajouter aussi la flexibilité, ces choses-là. Donc, un entraînement d'un jeune athlète, là, quand on regarde un groupe de joueurs de hockey bien entraînés, on les verra très rarement sur des appareils de musculation. Souvent, on va les voir, ils vont sauter sur des boîtes, lancer des ballons, faire un exercice d'équilibre sur un pied, par exemple, des petites courses sur 5 mètres avec un jeu de pied dans des mini-haies ou dans des échelles au sol. Donc, c'est à ça que devrait ressembler un entraînement de jeune athlète, autrement dit. Même si prise de masse musculaire ou diminution du pourcentage de gras, par rapport à l'entraînement, encore là, ça dépend à qui on parle. Si on parle à des jeunes jusqu'à Pee-wee, là, je dirais prépubère, on oublie ça. Okay? En général, on ne parlera pas d'essayer de développer la masse musculaire. Le profil hormonal de ces jeunes-là ne le permet pas de toute façon. Et puis les jeunes, quand ils arrivent autour du M15, ils sont en pleine croissance. Donc là, d'avoir un entraînement, une alimentation spécifique au gain de poids, de prise de masse musculaire, je pense qu'on n'a pas la bonne cible si on vise d'être un joueur de hockey élite dans sa catégorie, par exemple. Okay. C'est quelque chose qu'on va faire souvent un petit peu plus tard dans le développement du joueur. Puis encore là, je vois de moins en moins de préparateurs physiques d'équipe qui donnent un objectif aux joueurs en termes de gain de masse musculaire. C'est pas mauvais de le faire, là, on s'entend. Là, tous les joueurs aimeraient ça, avoir un 20 livres de masse musculaire de plus, puis avoir plus de puissance, puis être premier sur la rondelle. Mais d'avoir un entraînement spécifique à ça, ben, ça fait qu'on tasse des choses qui pourraient être, peut-être faire de moi un meilleur. Plus bénéfique. À la fin de la période estivale. Parce qu'on ne peut pas viser partout en même temps. Et
faut faire des choix à un moment donné. Fait que c'est là que je dirais, rendu là, ça dépend à qui on parle, ça dépend du joueur. Mais voilà. Alors, l'alimentation et le sommeil, ça va faire partie de notre prochaine capsule, notre prochaine entrevue qu'on va faire ensemble, Jonathan et moi. On vous invite à nous suivre sur le site de la LHEQ, les réseaux sociaux, le Facebook, sur Instagram, où est-ce que vous pourrez nous écouter. Alors, ça va être ça pendant le mois de juin. On va vous parler à tout moment. Le banc des joueurs va avoir différents sujets. Alors, merci, Jonathan, d'avoir accepté cet entretien. Et on souhaite que ça puisse bien informer les jeunes et les parents aussi qui sont intéressés à avoir gradué leur enfant. Bien, ça me fait plaisir. Puis, sachez aussi qu'on est disponible à tout moment, peu importe les questions, durant tout l'été. Si vous cherchez des gens à consulter, vous avez des questions, toujours disponible par courriel, par téléphone, on est là.